Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makum akhukum Idriss Yaqali for Gestion Academy. Inch'Allah, nous allons vous servir dans cette vidéo. Vous allez vous servir, Inch'Allah, vous allez vous partager pour que vous allez vous servir. Vous allez vous servir dans la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors maintenant, on va traiter le deuxième chapitre qui porte sur la répartition du bénéfice de la SA. Alors le résultat net de l'exercice peut être bénéficiaire ou déficitaire. Lorsqu'il est négatif, il est automatiquement affecté au compte report à nouveau avec un signe négatif. Alors que lorsqu'il est positif, il est réparti comme suit. Bénéfice net de l'exercice est égal au bénéfice non distribué plus le bénéfice distribué. Alors on va expliquer d'une façon détaillée le bénéfice non distribué et le bénéfice distribué. Le bénéfice non distribué est affecté aux réserves et au report à nouveau. Je vous coule les choses en détail. Les réserves. Les réserves sont selon le Code général de normalisation comptable CGNC sont des bénéfices affectés durablement à la société jusqu'à décision contraire des organes compétents. Et sont constitués de la réserve légale qui, cette réserve est obligatoire, constituée d'une dotation annuelle de 5% du bénéfice net à répartir. Elle cesse d'être obligatoire lorsqu'elle atteint 10% du montant du capital social. Les réserves statutaires ou contractuelles, elles sont constituées en fonction de clauses statutaires ou contractuelles. Alors, à de la réserve légale, elle cesse d'être obligatoire lorsqu'elle atteint 10% du montant du capital social. Yani ملي كنشدو المونطون ديال لو بينيفيس نت ا ريبارتير كنضربو في 5% كتمشي لا ريزيرف وهاد لا ريزيرف خاصنا نكونتروليوها مع المونطون ديالها اللي لقينا مع 10% du montant du capital social. يعني ناخذ المونطون ديال الكابيتال سوسيال فوا 10% والمونطون ديال لو بينيفيس نت ا ريبارتير فوا 5% وكناخذو le montant plafonné à 10% du capital social. C'est-à-dire il a quand le bénéfice net à répartir fois 5% supérieur même le montant du capital fois 10%. Dans ce cas, qu'un nardo le montant du capital social fois 10%. Sinon, qu'un nardo le montant le moins faible. Les réserves, deuxièmement, statutaires ou contractuelles, elles sont constituées en fonction de clauses statutaires ou contractuelles. Les réserves facultatives sont constituées suivant la décision de l'Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires. D'abord, on voit le report à nouveau. Il est constitué du bénéfice, c'est-à-dire le reliquat, non affecté aux différentes réserves et sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc, on a le bénéfice non distribué, qu'est-ce qu'on a les réserves, ou le reliquat non, qu'est-ce le report à nouveau. Qu'on n'a pas affecté les réserves, qu'on a le report à nouveau, ou les normalement, avec le bénéfice, il y aura les actionnaires d'aller la distribution d'ILO à IRDO sous forme de dividende, sinon, qu'est-ce le report à nouveau. Le bénéfice distribué est réparti entre les actionnaires sous forme de dividende. Le dividende est la fraction du bénéfice affecté à chaque action. Les statuts de la SA peuvent prévoir les intérêts statutaires ou liquidement premier dividende.
Ils sont calculés par application d'un taux d'intérêt fixé par les statuts au capital libéré et non remboursé. Ces intérêts sont à calculer à compter de la date de la libération du capital jusqu'à la fin de l'exercice où la libération a eu lieu. Le superdividende. Sa valeur est déterminée par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. La taxe sur le produit des actions est de 10%, qui représente 10% des dividendes bruts à verser à l'État avant 2013. Mais à compter du 1er janvier 2013, à 10% ou l'être 15%. Alors, on a de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. Selon la loi de finances 2013, à compter du 1er janvier 2013, le taux m'approche 10% ou là 15%. Donc pour les étudiants, soit il y aura 10%, soit 15%. 10% c'est avant 2013, 15% c'est à compter du 1er janvier 2013 selon la loi de finances 2013. Au gouvernement de la loi de finances, il y a les cadjibles, les modifications dans tout ce qui est fiscal, le code général des impôts. Le calcul et comptabilisation. On va voir une application. La SA NTM au capital de 1 million de dirhams libérés en 2008, constituée par 5000 actions, nous communique les renseignements suivants. La répartition du capital entre les actionnaires, Adna A, B, C, D, E, F actionnaires, donc 6 actionnaires. Le nombre d'actions détenues par actionnaire, les voilà, ce qui nous donne 5000 actions. Le bénéfice net de l'exercice 2009 est de 120 000 dirhams. Cette société a décidé la distribution du bénéfice net le 15 mai 2010. La réserve légale sera dotée obligatoirement de 5% du bénéfice net de l'exercice. La réserve statutaire représente 1 sur 50 du bénéfice net. La réserve, l'intérêt statutaire, est de 2% du capital libéré non remboursé. L'Assemblée générale ordinaire a décidé de doter la réserve facultative de 16 000 dirhams. L'AGO a décidé de distribuer un super dividende de 10 dirhams par action. Le reliquat du bénéfice net sera mis en report à nouveau. La taxe sur les produits des actions, supposons, puisque nous avons l'exemple de l'exercice 2009, donc dans ce cas, la TPA avec un taux de 10%. Sinon, pour rappeler, à compter du 1er janvier 2013, vous êtes la TPA de 15%. Mais cette vidéo n'a pas de partager. كذا كاين اللي كتبغي تستافد معنا من الدوره التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت يمكن لك تخرج معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلاين بار انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. Le 24 mai 2010, la société paye la TPA par chèque bancaire. La TPA, ou la SMISA, produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, PA, PS, RA. Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. Le 9 juin 2010, la société paie les dividendes nets aux actionnaires par chèque bancaire.
Alors maintenant, on va procéder au calcul de chaque élément. La réserve légale, vous n'avez qu'à n'ardre le montant du bénéfice net à répartir 120 000 fois 5%, à la 6 000. La réserve facultative, 16 000 dirhams, attends maintenant, comme donné, selon l'Assemblée générale. Le super dividende, c'est-à-dire la valeur d'IELO est déterminée par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. 5000 fois 10, maintenant 50 000 dirhams. 5000 actions fois 10 dirhams l'action. C'est le montant d'IELO super dividende. L'intérêt statutaire est de 2% du capital libéré non remboursé. On a le capital a été entièrement libéré. Donc, un autre montant capital du capital, 1 million fois 2%, ça fait 20 000. Les dividendes bruts dans ce cash hell. Donc, les dividendes bruts est égal au super dividende plus l'intérêt statutaire. Donc, la formule dit le dividende brut est égal super dividende plus l'intérêt statutaire. 50 000 plus 20 000, l'IA 70 000. Imaginez, je fais le dividende brut par action, 70 000 divisé par 5 000 actions, ça fait 14 dirhams de dividende brut par action. Imaginez, je fais la taxe à retenir à la source par les bénéficiaires des dividendes. On a le dividende brut fois le taux de la taxe sur les produits des actions. L'IA est assimilé à une retenue à la source. Le Gouna avant 2013 était de 10%, donc 70 000 fois 10% est égal à 7 000 dirhams. Donc, je vais vous donner les actionnaires, les dividendes nets par action, c'est 70 000 moins 7 000, l'IA 63 000, divisé par 5 000 actions. Donc, IGOM comme dividende net, 12 dirhams,6 par action de dividende net. Donc, la somme maintenant, c'est la réserve légale plus réserve statutaire plus dividende brut. 94 000 plus la réserve facultative, pardon, est égal à 94 400. Le report à nouveau, ça va être de combien? Le Gouna, il représente le reliquat. Il représente le reliquat du bénéfice non affecté aux différentes réserves et non distribué aux actionnaires. Gouna, le reliquat libre après à de la distribution. Kimchi, le report à nouveau. Le reliquat après affectation. Kimchi, le report à nouveau. Donc, maintenant, comme bénéfice net 120 000, ce qu'on va répartir, est-ce qu'on va répartir comme bénéfice non distribué, c'est 94 400, 25 600. 25 600. Donc, à le report à nouveau, il y a vraiment chauffé le bénéfice non distribué. On a le montant de le report à nouveau, plus le montant de les réserves, en atteignant le bénéfice non distribué. Ou le bénéfice distribué est égal au dividende net. Le bénéfice distribué est égal au dividende net. Le dividende est égal au super dividende plus intérêt statutaire moins la TPA. Donc, nous avons le rappel pour le bénéfice net de l'exercice est égal au bénéfice non distribué plus le bénéfice distribué. Le bénéfice non distribué qui se couvre les réserves ou le report à nouveau. Ou le bénéfice distribué qui se couvre l'intérêt statutaire plus super dividende moins la TPA. Donc, il a dit le bénéfice net. Une partie du bénéfice non distribué qui représente les réserves
et une partie le bénéfice distribué en hasla là le report à nouveau ou les gouna qui trouvent le bénéfice non distribué. Donc c'est juste des calculs simples. Alors voilà le tableau de répartition du bénéfice. Maintenant le bénéfice 120 000 qu'on va le répartir tout d'abord sur la réserve légale, réserve statutaire, intérêt statutaire et réserve facultative. Maintenant 44 400 super dividende. Maintenant 50 000. Donc, je vais faire le report à nouveau. 25 600, on va faire le report à nouveau. On voit le bénéfice. On voit le reliquat, mais le bénéfice qui n'a pas été affecté les réserves et qui ne va pas être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes ou les reporter au l'exercice suivant. Voilà les écritures. Le 15 mai, la société a décidé la distribution du bénéfice net de l'exercice 2010. Donc, on a le résultat, on voit 120 000 qui se comptabilise avec le compte 1191. On va l'affecter la réserve légale 6 000, la réserve statutaire 2400, la réserve facultative 16 000, le report à nouveau 25 600, la TPA 7 000, le reste, c'est, il représente le bénéfice distribué net, le bénéfice net à distribuer aux actionnaires lors de l'assemblée. Donc, après le 9 juin, on a dit comme quoi la société a payé par chèque bancaire la TPA auprès de l'administration fiscale avec un montant de 7 000, donc il y a de soldats de la dette. Et bien sûr, le paiement aussi des dividendes pour les actionnaires, 63 000 dirhams. Donc, à ouvrir la dette, et les actionnaires, on l'a soldé par banque. Donc, pour rappel, le bénéfice net de l'exercice, il est composé du bénéfice non distribué plus le bénéfice distribué. Le bénéfice non distribué est égal aux réserves, liquides qu'on nomme la réserve légale, statutaire et facultative. Donc, les réserves, plus le report à nouveau, ou le gouna, il a rien à se quand on le montant de le bénéfice net, ou quand on a les réserves, ou quand on a le bénéfice distribué, on a le report à nouveau. Sinon, il a le report à nouveau, on a comme donné, on a le bénéfice net de l'exercice, moins le bénéfice non distribué, on a là le bénéfice distribué. Ou les deux bénéfices distribués, on a les intérêts statutaires, plus le super dividende. Et bonne chance. استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا كما نجد تمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين تما من هذا الفيديو هذا كذلك الى بغيتي توصل باخر الفيديوهات تفورجيسو اكاديمي يمكن لك تابوني معنا في لاشين يوتيوب كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسو او لاباج ديالنا فورجيسو اكاديمي باش تشوف اخر الاعمال ديال فورجيسو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته